Bonsoir à tous, chers amis. Merci beaucoup d'être là ce soir sur ce débrief politique. Désolé, on devait le faire lundi et on a eu un petit problème technique. Donc, on le fait ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vient de passer 137 000 sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et pour la petite info, ce soir, ce live est diffusé sur TikTok, bien entendu. Euh, voilà, on essaye de, de, de prendre de plus en plus de place sur les réseaux. En tout cas, merci d'être là ce soir pour ce nouveau débrief politique. On va se régaler, vous allez voir. Euh, n'hésitez pas à partager likez vous, vous le savez hein. euh, merci en tout cas d'avoir suivi les dernières émissions euh, notamment avec euh, Yann Gaudin vous avez vu Alain Falento également qui était là hier, hier soir et euh, on continue on continue à se battre on continue à vous informer librement merci à tous n'hésitez pas à partager où que vous soyez sur n'importe quel réseau merci beaucoup euh, vous êtes sur Putsch Live ce soir euh, merci en tout cas on va commencer je voudrais qu'on parle ce soir en, euh, de Macron qui crame la caisse littéralement euh, macron qui crame littéralement la caisse en ce moment euh, avec, avec pas, mal de, pas mal de choses actuellement euh, vous le savez euh, beaucoup 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 d'informations de, de, qui nous parviennent en permanence notamment sur euh, notamment sur euh, les baisses les baisses de, 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 de du budget on, a, on est de plus en plus en crise vous le savez on nous dit que la dette est, on nous dit pas mais la dette est de 3100 milliards d'euros vous le savez et maintenant bien entendu ces gens commencent à nous dire qu'il va falloir euh, baisser nos dépenses ce pas déjà fait depuis un certain temps. Donc tout ça est assez formidable. Donc je voulais qu'on parle de ça ce soir, chers amis. Euh, ça me paraît extrêmement important. La situation de la France est quand même assez euh, dramatique, il faut quand même le dire, euh, budgétairement et puis que pas que budgétairement. Et on va essayer de comprendre ce soir dans quelle mesure ces gens-là essayent euh, de nous faire culpabiliser, comme c'est le cas depuis très longtemps maintenant. Vous le savez. Et je voulais qu'on en parle. Euh, les phares de ce celle que je défends concrètement, c'est que je pense concrètement qu'Emmanuel Macron euh, est en train de délibérément cramer la caisse. Euh, je m'explique, je pense qu'il est en train de vider les comptes, de faire les poches des Français, euh, parce que je continue à penser que, comme avec euh, la Grèce en 2015, et je regardais tout à l'heure. Pour préparer cette émission, je regardais tous les plans d'austérité qui avaient été imposés à la Grèce depuis 2010. Et euh, moi, je suis effrayé parce que je m'avais déjà fait la comparaison il y a quelques mois de ça. Et je me suis rendu compte en fait que les plans d'austérité qui ont été imposés à la Grèce, vous savez comment la Grèce a fini, elle a mal fini. Et ben, euh, concrètement, c'était euh, c'est les mêmes plans d'austérité qui sont mis en France petit à petit. Et j'ai retrouvé une interview de, Berne, de Gérard de Berne, Gérard Larcher, pardon, excusez-moi. Euh, euh, qui euh, avertissait en mai, mai 2023 que la France finirait comme la Grèce. Euh, bon, ça dépend ce qu'on peut, qu peut estimer de, de, de Gérard Larcher concrètement, mais j'ai trouvé ça intéressant effectivement de se dire qu'il y avait, il euh, a, a quand même une, une, espèce de, y a une espèce de filiation entre les plans d'austérité qui ont été, euh, qui ont été littéralement imposés à la Grèce pendant de nombreuses années, pas que depuis 2015. 2015, c'est le mémorandum européen, on en a déjà parlé et euh, plusieurs fois, les Grecs avaient voté non, bien entendu. Et et euh, la Troïka, BCE, FMI et Commission européenne et ont imposé à la Grèce des, 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 une réduction du budget absolument drastique, des coupes dans tous les sens, la baisse du, euh, du salaire des fonctionnaires, en fait, euh, l'augmentation de la TVA, la libéralisation. Ils ont vendu, le port, ils ont vendu les, tous les ports grecs, ils les ont vendus aux Chinois, en fait absolument un scandale. Et quand vous regardez ça, vous vous rendez compte que euh, ce qui s'est passé en Grèce de 2010 à peu près à 2015, et plus en encore, parce que 2015, c'est vraiment le climax, ce euh, qu'on appelle le, le point d'orgue absolu, c'est-à-dire qu'on se rend compte que concrètement, euh, la France est en train de, faire, de, de bénéficier du même traitement. Alors certes, de façon, on va dire, euh, plus étalée, mais euh, avec la violence, la même, c'est-à-dire la réforme des retraites, tout ça participe. Et, et je voulais qu'on en parle ce soir parce que je continue à penser, je vous le disais en introduction, je continue à penser qu'Emmanuel Macron crame dé dé délibérément la caisse. Pourquoi il crame la caisse hum, Alors, pour servir des intérêts de grands groupes, de, 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 de grand groupes groupe mondialistes que vous voulez, uh, on a eu uh, l'Ubergate, on a eu le McKinsey Gate, on a eu tout ses, tout ses, toutes ces grosses affaires incroyables qui auraient pu d'ailleurs uh, coûter très cher à Emmanuel Macron, mais je ne sais pas quel, je ne sais pas quel miracle. Emmanuel Macron a été réélu, euh, vous le savez aussi bien que moi, en 2022. Et ces affaires, moi je le pensais à un moment donné, vous savez, un mois avant la présidentielle, le McKinsey Gate tombe, il y avait l'Uber Gate aussi qui n'était pas loin, le Rothschild Gate aussi, personne n'en a parlé, mais il y a une vraie question de ce, ce côté-là. Et je pensais que ça lui coûterait sa présidence. Euh, ça n'a pas été le cas. Donc d'une part, il y a manifestement euh, euh, l'invasion la colonisation de groupes privés notamment américains euh, au sein de, de notre État euh, Fabien Bouglet, que je reçois que j'ai reçu euh, récemment euh, euh, l'avait dit notamment qu'au ministère de l'écologie il y avait euh, des Amants il y avait un bureau euh, voilà c'est à dire qu'on a un lobby allemand écolo au, milieu, au, au au sein même du ministère de l'écologie euh, ça ne pose problème à personne en fait du moins pas là haut et euh, voilà donc il y a déjà cette, ce premier volet et puis je continue à penser qu'Emmanuel Macron, comme l'a fait Tsipras dans d'autres observations, mais dans d'autres façons de fonctionner, euh, il littéralement il crame la caisse, tout simplement, parce que comme ça, quand vous aurez cramé la caisse et que votre dette arrivera à 3 500 milliards d'euros, déjà qu'on est plus souverain, on le sera encore moins, parce qu'on sera tellement endetté, on l'est déjà beaucoup, on sera tellement endetté qu'on ne pourra plus jamais faire marche arrière, et je continue de penser qu'Emmanuel Macron est en train de cramer la caisse. Et il est en train de finir de faire les poches des Français, ni plus ni moins concrètement, euh, avec une certaine morgue euh, et avec euh, l'incroyable, l'inénarrable Bruno Le Maire qui nous raconte que c'est absolument formidable. Je l'ai encore écouté euh, hier matin ou ce matin, je ne sais plus exactement, parce que je m'y perds avec Bruno Le Maire, sur RTL. Et euh, il continue de nous dire qu'il va soutenir le travail, qu'ils vont soutenir les entreprises, euh, qu'il n'est pas question de laisser euh, filer euh, le public. Bruno Bruno depuis mai 2017, tu es au gouvernement, en fait. Donc, je ne sais pas, mais tu es ministre de l'économie de depuis mai 2017. Donc, ton bilan est à son moment catastrophique. On a toujours l'impression, quand tu parles, que tu es là depuis hier matin. C'est quand, quand même assez faramineux. Non, tu es là depuis mai 2017, donc ça pose un problème littéralement c'est un, une coupe, c'est véritablement un effondrement de l'économie française qui, pour moi, est prémédité, euh, qui n'est pas là pour être endigué, manifestement, puisqu'on distribue de l'argent à tout le monde. Euh, à l'Ukraine, vous le savez, euh, cette espèce de pays corrompu, euh, concrètement, euh, les aides, on n'a aucune visibilité sur d'où vont les aides, via l'Union européenne. Puis maintenant, il a signé un accord de sécurité hum, il y a une dizaine de jours, 15 toujours à l'Elysée avec. Euh, euh, Zozo, Kokov Zelinski tous les deux étaient très, très contents euh, Macron sous la pression euh, des parlementaires la pression des parlementaires on va dire sous la pression des parlementaires a accepté que ça se vote en chambre et puis on s'est rendu compte qu'en fait le vote en chambre je l'avais dit la semaine dernière il était non contraignant c'est-à-dire qu'ils auraient pu voter absolument n'importe quoi dans tous les cas cet accord avait été signé et, et euh, Macron compte bien le respecter jusqu'au bout. Euh, pourquoi filer 3 milliards d'euros à l'Ukraine On nous a dit oui, mais ce n'est pas de l'argent, c'est de l'aide militaire. Euh, chers amis jusqu'à preuve du contraire euh, l'aide militaire elle, elle, elle est, gén est générée quand même par l'argent public c'est-à-dire par nos impôts donc concrètement on se fout de notre gueule littéralement on en a donné aussi c'est un exemple il y en a plein d'exemples on pourrait en parler plein Alors, les jeux olympiques vont se même coûter une blinde ils ont explosé les budgets partout euh, ils en font une véritable religion c'est un scandale euh, même euh, même les États-Unis ce sont euh, la ville de Los Angeles pardon euh, c'est des commandants dans les moments Paris était seul Hidalgo est allé en en, avec une guerre de 300 personnes au Pérou euh, pour aller euh, récupérer, finalement, pour s'entendre dire que ça serait Paris qui était choisi. Ben forcément, que c'est Paris qui était choisi parce que c'était le seul nom qu'il y avait dans la boule. Donc, il y avait qu'un nom dans la boîte, c'était Paris. Voilà. Donc, ce genre se fout de notre gueule. Les Jeux Olympiques vont nous coûter un pognon de dingue. Les budgets ont été éclatés. Au Kojo, il est mis en examen. Le PNF est dessus. C'est un scandale. Et, euh, l'aide la, euh, à l'Ukraine, on nous a, on a donné aussi un milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour les aider à se décarboner. Mais on est chez les dingos. On est chez les dingos, véritablement chez les dingos. Et euh, ces gens viennent nous dire maintenant qu'il va falloir qu'il va falloir resserrer les boulons. De Bruno Le Maire est venu il y a quoi, il y a un mois euh, sur TF1 pour nous dire qu'il allait faire un plan de réduction drastique. D'économie, pardon, un euh, plan de réduction des dépenses de 10 milliards d'euros. Ça a duré six minutes. Et puis après, euh, dix jours après, on a appris que c'était 20 milliards. Et puis maintenant, on nous demande pratiquement je ne sais plus combien de dizaines de milliards d'euros. Selon la Cour des comptes, je crois que c'est 50 milliards, quelque chose comme ça. En fait, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que ce pays est ruiné, ce pays est en banqueroute. Et notre argent va partout, sauf dans nos poches, puisque manifestement, on vient nous faire les poches. Et là, encore plus qu'avant. Vous l'avez vu. Euh, il y a Bruno Le Maire qui a fait une vidéo pareil, il y a une dizaine de jours, enfin, une quinzaine de jours peu importe, sur la possibilité peut-être de, de lancer un plan épargne pour, pour aider peut-être soutenir l'effort de guerre, donc ces gens sont prêts à tout, sont prêts même à venir piquer dans nos comptes euh, et on y va tout droit, ça s'accélère et c'est absolument dingue, donc je rappelle les chiffres hein, 3100 3 milliards de dette totale de la France et 150 milliards de déficit public en 2023, c'est euh, absolument dingue, le déficit public est passé à 5,5, euh, Bruno Le Maire nous avait parti de 4,9, euh, ces gens se sont moqués de nous, donc il y a eu une proposition, il y a eu un budget insincère en fin d'année derrière, parce qu'ils savaient très bien que le déficit public serait beaucoup plus important, donc ces gens ont voté un budget qui manifestement, dont eux le gouvernement savait très bien qu'il ne serait pas tenu, euh, voilà, donc ça je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, donc maintenant ben, qu'est-ce qui se passe, oui on nous dit il y a, y, a, y, a, y a une baisse de recettes il une baisse de 6 et une baisse de mini. Ben, C'est sûr qu'avec 480 entreprises qui ferment par jour en France, euh, ta baisse de recettes fiscales, forcément, elle, euh, oui, ben, elle le baisse. Il n'y a pas que ça, mais elle fait partie quand même du jeu. Du, du, du jeu. Vous avez, euh, vous avez littéralement fracassé ce pays, notamment par la crise Covid. Euh, Macron a dépensé centaines de milliards d'euros pour ça. On ne parlera même pas du plan de relance hein, qui a été signé euh, avec euh, perte et fracas, mh, malgré euh, la désapprobation des pays frugaux, que sont les Pays-Bas et que sont l'Allemagne. Donc ça nous a en coûté. C'est le fameux plan de relance. Euh, on a encore 73 milliards d'euros à rembourser à peu près. Euh, C'est absolument dingue. Donc ces gens en fait ont détruit l'économie française, ni plus ni moins, on fait fermer les entreprises, on jouait la délocalisation, on jouait la mondialisation, on jouait le libre-échange, on jouait la libre concurrence non faussée, donc nos entreprises euh, seront fermées. Voilà, soit se sont barrés, euh, se sont barrés euh, du côté euh, de la Pologne, de la Hongrie, euh, de tous ces pays-là, de la Roumanie notamment. Et bien sûr, chez nous, eh ben, ça fait euh, du chômage de masse, la perte d'emploi, la perte de richesse, la perte de PIB. Et ces gens viennent vous dire la bouche en cœur, Saint-Jean-Bouche d'Or, qu'il y a un problème de recettes fiscales. Euh, ils se foutent de nous, hein, vraiment, non mais vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, en plus, c'est quand même dingue parce qu'avec l'inflation, je, je crois savoir que euh, la TVA, quand l'inflation, la TVA de fait mécaniquement remonte le volume de TVA. Donc, euh, ces gens ne sont pas du tout là pour, pour inverser l'inflation et euh, ils encaissent de l'argent sur la TVA à chaque fois que nous allons faire nos courses, chers amis. Euh, il y a la TVA qui qui vient frapper et qui fait des rentrées fiscales pour l'État. Euh, la taxe sur les carburants, on paye la TVA et puis on paye aussi la taxe sur le carburant. La taxe sur la TVA, c'est quand même formidable. C'est quand même, une, quand même une, euh, une étrangeté, cette histoire. Donc, là aussi, pareil, donc, euh, on est saccagé de partout, en permanence. L'hôpital public, vous le savez, les services publics sont en train d'être littéralement dévastés. Et pour en revenir à nos chers amis grecs, je regardais tout à l'heure, donc je vous le disais hein, pour, pour préparer cette émission, et franchement, les amis, euh, nos amis grecs ont vécu à peu près la même chose depuis un, un certain nombre d'années. Et, 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 et c'est absolument dingue. je... Euh, de voir comment la Grèce littéralement a eu a vécu une véritable Pure d'austérité, c'est même pas une austérité à ce niveau-là. C'est de la pauvreté organisée par la Troïka européiste. Et on se rend compte, bien entendu, que aujourd'hui en France, si on fait la passerelle, si on fait le distinguo entre les deux, on se rend compte que ce qu'on est en train de nous passer en France depuis plusieurs années, c'est ni plus ni moins qu'un plan au ralenti de l'austérité qui a été imposé à la Grèce. Voilà. Ça fait plusieurs années que je défends que la France de 2024, 2023, 2025 sera la Grèce de 2015. Euh, sans trop d'écho à droite à gauche, mais je me rends compte que de plus en plus, on nous parle de, de, de pays en faillite, de pays en banqueroute, et quand un pays est en faillite et en banqueroute, il y aura une restructuration de la dette par les oligarques européistes euh, qui viendront nous voir, puisque vous savez qu'on est en train en ce moment, euh, il y a un pacte de stabilité, personne ne vous en parle, mais il y a un pacte de stabilité, donc. Euh, le Bercy actuellement est en train euh, d'essayer de, euh, de faire rentrer le non-budget de la France sous les clous euh, de, euh, des dictats bruxellois, notamment des 3%, vous savez, euh, chiffre purement, purement arbitraire qui a été fixé par les technocrates européens une nouvelle fois. Et donc la réalité c'est que Bercy actuellement passe plus de temps avec la Commission européenne au téléphone, euh, qui a essayé de sortir de la mer de les Français. Voilà, Bruno Le Maire en tête de gondole, qui ne parle jamais du pacte de stabilité, on n'en entend jamais parler, alors que c'est en train d'être mis en place une nouvelle fois, comme chaque année, et nous devons nous y plier. Donc, ça veut dire des coupes drastiques un peu partout, et euh, c'est absolument effrayant. Voilà, et c'est absolument effrayant, et, et je trouve que... Euh, Là-dessus, euh, il n'y a aucune information, il n'y a aucun média qui parle de ce pacte de stabilité, jamais, 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 jamais. Le pacte de stabilité, en fait, c'est une série de mesures que vous devez mettre en place euh, sous la férule de la Commission européenne et dont les sanctions peuvent être financières. Et euh, comme nous avons manifestement euh, l'élite politique la plus asservie, la plus servile aux intérêts bruxellois et mondialistes, eh ben, ces gens, bien entendu, euh, sont toujours en train d'essayer de couper des coupes franches un peu partout. Je lisais notamment dans les échos hier matin que le gouvernement s'abre, va sabrer 600 millions d'euros dans le budget de France Travail. Euh, voilà, notamment l'hôpital, c'est pareil, les, les réductions ont été drastiques. Et en fait, quand vous suivez, quand vous regardez le plan, euh, quand les plans d'austérité la Grèce, là, j'insiste là-dessus lourdement, parce que c'est absolument la même chose c'est la réforme des retraites, c'est la baisse des dépenses sociales, c'est euh, la casse littérale du travail, parce que c'est la libéralisa libéralisation également, ce qu'on appelle la flexibilité, en fait c'est la libéralisation. Voilà, c'est la mise en coupe réglée de l'esclavage économique moderne et contem plutôt contemporain. C'est-à-dire que les gens... Comme en Grèce, euh, euh, seront auto-entrepreneurs euh, et auto-entrepreneurs, mais non autosuffisants. Donc, finalement, on casse le code du travail pour libéraliser tout ce qu'on peut euh, et finalement faire des gens qui vont essayer de vivre de briques et de brocs, de troc, de machins, de six demi, de petits boulots, d'appli. Euh, je vous avais raconté une fois que j'ai découvert ici chez moi des particuliers qui aujourd'hui ont des applications sur leur téléphone portable qui leur permettent aujourd'hui, euh, puisqu'ils ont ils, ils ont du mal à joindre dans les deux bouts voire les trois bouts. Ils se lèvent le matin, ils ont une application et leur, euh, leur truc, c'est de, euh, de sélectionner des courses pour aller à, à l'intermarché ou l'hypermarché le plus proche de chez eux, récupérer des drives et les amener aux particuliers qui ne veulent pas se boucher le cul. Voilà, donc euh, ils sont payés à la course. Que c est, c est, donc, c'est le Uber du coin, c'est le Deliveroo du coin, faire le cours. Donc, c'est les particuliers, chacun peut créer l'appli et libre à vous d'aller euh, euh, livrer les courses à des gens à droite à gauche. Voilà. Ça, littéralement, c'est un symptôme fort euh, de la paupérisation d'un pays. Il euh, n'y a plus de sécurité, une insécurité économique, une insécurité sur le monde du travail, une insécurité sociale, bien entendu, vous le savez, une insécurité tout court d'ailleurs aussi. Et on se rend compte que petit à petit, ce pays, pas petit à petit, à vitesse grand V, ce pays est en train de s'appauvrir comme jamais il s'est appauvri. Et ces gens viennent nous dire finalement qu'il va falloir continuer à faire des efforts et euh, qu'on va se retrouver. Donc là, qu'est-ce qu'on a on a, euh, qu -ce qu on a comme au menu Menu pour se régaler, on a la réforme de la chômage. On va arriver au volet 3, c'est-à-dire que les chômeurs, euh, dans les chômeurs, il faut être très clair, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu énormément de délocalisations, énormément de fermetures d'entreprises. Il y a énormément de gens, notamment de chefs d'entreprise, je crois que nous sommes d'entreprise depuis le dernier trimestre, de petites entreprises hein, euh, qui ont dû fermer leur boîte sur le chôme dû, C'est énorme. Bon, malheureusement, eux, le chômage, ils n'en voient pas trop la couleur. Ils n'ont pas, pas de, de, de droit là-dessus. Euh, euh, mais je veux dire, par là, ces gens qui se sont fait virer de leur boîte pour licenciement économique, PD, PDV, vous savez, des, des, les plans de départ volontaire, les PSE, les plans sociaux pour l'emploi, qui n'est rien d'autre qu'un grand plan de licenciement massif, finalement, se retrouvent sur le marché du travail alors qu'ils n'ont rien demandé à la personne, qu'ils avaient un boulot. Et maintenant, on va leur dire qu'il va falloir retourner au boulot et que pour cela pour retrouver le plein emploi, le plein emploi comme dit Bruno Le Maire, hein, Bruno Le là, eh ben, et ben finalement on va leur on va leur rogner sur leur temps d'indemnisation et sur le volume de l'indemnisation. Donc en pensant naïvement que si vous donnez, euh, vous troquez, vous rognez pardon deux ou trois mois un chômeur, il va retourner bosser. Euh, J'ai envie de vous dire qu'avec l'état catastrophique du pays, euh, je vois pas très bien comment il y a des gens qui bossent notamment chez Bridgestone, chez Bosch, chez Whirlpool ou, de, ou des boîtes, toutes autres boîtes, euh, qui ont fait ça peut-être 10 ou 15 ans de leur vie. Je vois pas très bien comment ils vont retourner sur le marché de l'emploi si ce n'est en, en, en faisant des livres au Uber. Euh, je ne vois pas comment. Enfin, euh, c'est un un bain de sens social, c'est un massacre économique sans précédent. Et euh, ces gens sont euh, véritablement sont des menteurs. Sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Alors, pour Bruno Le Maire, l'incompétence préside, ça c'est évident, mais il a quand même conscience de ce qui se passe et il nous répète toujours les mêmes sornettes. Donc, c'est absolument insupportable. Ensuite, même le même Bruno Le Maire qui nous avait juré la main sur le cœur comme Olivier Varian à l'époque du Covid euh, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, eh ça fait 3-4 jours que la petite musique dans les médias, c'est Oui, il ne faut pas avoir de tabou. Il y a Elbron pivé ». D'ailleurs, je vous invite à aller voir la fiche déclarative de Yael Brown-Pivet sur la haute autorité de la transparence de la vie publique, vous y allez, vous, y allez, vous avez les fiches de tous les, les ministres, de tous les députés, et allez voir ce qu'a déclaré Yael Brown-Pivet, notamment comme euh, rémunération et monument. Je vous invite à aller voir aussi la fiche d'Amélie oudéa castéra C'est simple, c'est un, un site public. Hein. C'est la haute autorité de la transparence de la vie publique, et vous avez toutes les déclarations de tout le monde. Vous connaissez le patrimoine de tout le monde. Euh, ces gens-là qui sont bourrés aux as, littéralement, eh bien, maintenant, ils vous disent que euh, finalement, la hausse des impôts ne doit pas être un tabou. Donc, qui va se récupérer la hausse des impôts ben, C'est les classes moyennes, hein, euh, qui sont bien égorgées en ce moment, comme les entrepreneurs, comme tout le monde. Et, euh, et on va continuer à payer des impôts. Alors, comment ça va être Sur quelle forme ça va être Est-ce qu'il va y avoir une baisse des dotations collectivités Donc, vos taxes... Notamment foncières vont continuer à augmenter, forcément, euh, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont les champions du monde, de la, eux, ils sont les champions du monde de la, du contournement, littéralement. Donc, qu'est-ce que ça va être que ça euh, On sait aussi qu'il y a un déremboursement euh, de certains médicaments, notamment qui serait peut-être sur, sur les revenus. Il y a déjà un déremboursement qui a été acté, mais maintenant, il y aurait d'autres déremboursements sur certains médicaments selon vos revenus. Voilà, donc là, euh, moi, je veux bien, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, à quoi ça sert de cotiser Finalement, à quoi ça sert de cotiser À quoi ça sert de cotiser pour avoir une espèce de dif euh, différence de traitement euh, Voilà, c'est antinomique avec ce euh, notre pays, c'est antinomique avec euh, euh, liberté, égalité, fraternité, c'est antinomique avec la construction même de ce pays, de ce et, 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 et de ce plan, enfin de cette sécurité sociale, de ce modèle social. Pardon. Euh, ensuite, j'en ai déjà parlé, la LD, l'affection de longue durée, quand vous êtes malade ou maladie chronique invalidante, eh ben euh, potentiellement, ces hormones, c'est pris à 100%. Et potentiellement, vous pourriez avoir un reste à charge, euh, c'est-à-dire que si vous avez un traitement qui coûte plusieurs milliers d'euros par mois, eh ben, euh, rien, euh, rien, ne nous garantit que euh, nous n'aurons pas à verser un reste à charge plus ou moins important en fonction de la pathologie et des médicaments. Sachant qu'il y a 5000 médicaments qui sont en rupture de stock ou en tension, chaque année nous faisons chaque, mois, chaque année au mois d'octobre, on fait un une grande article dans le sur les ruptures de, de, de médicaments, notamment. Voilà, donc on l'a fait en octobre 2020, on l'a fait en octobre 2021, 2022. De 2023 et on est passé de 2000 à 5000 en deux ans, ou 2500 à 5000 en deux ans. Vous voyez un peu le chemin parcouru, c'est littéralement euh, un effondrement total. Voilà, donc on se retrouve là-dessus. Donc l'assurance là, chômage, bien entendu, la flexibilisation du monde du travail. Ce soir, Gabriel Attal va parler, euh, on verra bien, il va nous parler de la réforme de l'assurance chômage. Il va nous dire que c'est parce qu'on coupe les aides qu'on coupe, pas les aides, c'est pas une aide, hein, l'assurance chômage, hein, c'est un, un dû. Euh, à partir du moment où on coupe le dû, eh bien, les gens iront plus rapidement au boulot. Mais en fait, voilà, quand vous avez détruit l'économie, euh, retournez au boulot, si ce n'est pour faire Uber ou Deliveroo, je ne vois pas très bien comment on peut faire, ou l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, euh, dans mon village notamment, où ça ne se fait pas que, pas que chez moi, hein, ça se fait un peu partout, où des particuliers, pour bouffer, sont obligés de s'inscrire sur les applis, c'est... Euh, c'est le Tinder de la pauvreté et vous allez ça et là livrer avec votre voiture personnelle des drives à des, à des gens à, voilà pour gagner je sais pas pour, pour gagner pas grand chose finalement euh, la dame en question euh, j'avais jamais vu ces infos là je, je, je les ai oubliés malheureusement mais c'était pas grand chose voilà les courses c'est pas grand chose donc ça c'est des exemples. Manifeste qui vous montre que y a véritablement une paupérisation totale de la société et que ces gens en fait continueront à saccager tout ce qu'ils peuvent saccager littéralement euh, c'est extrêmement important et je reviens à mon histoire de la Grèce et j'essaierai de vous on, on va vous préparer un article là-dessus mais je peux vous assurer, je vais vous donner un exemple. Tenez, je vais vous donner, j'ai l'exemple sous les yeux. Le, voilà, euh, sur 3, le 3 mars 2010, notamment le deuxième plan d'austérité, je suis au deuxième plan d'austérité de 4,8 milliards d'euros. Il y a eu notamment en Grèce, hein, je parle de la Grèce, hein, augmentation de 2 points de la TVA, augmentation des taxes sur les alcools, le tabac, le carburant et les produits de luxe, gel des pensions de retraite des fonctionnaires et des salariés du privé, et des coupes, notamment des coupes sur les salaires. Ah, Ensuite, je, je vais faire très vite, hein, mais pour vous donner, 6 mai 2010. Troisième mesure, troisième train de mesure de, de la Troïka, euh, âge de départ à la retraite, hein, euh, qui est passé, qui a été large, très, très largement augmenté. Prolongation du gel des salaires dans le secteur public, suppression des 13e et 14, 14e mois des salaires des fonctionnaires, gagnant plus de 3 000 euros, réduction de 8 des amitiés des fonctionnaires. Et ça compte, libéralisation, je ne vous fais pas tout parce que c'est long, donc je vous donne vraiment ce qui me semble intéressant, libéralisation des marchés des transports et de l'énergie. Tiens, ça ne vous dit pas quelque chose, ça Libéralisation des transports et de, de l'énergie, ah ben moi, ça me, ça me dit quelque chose. Possibilité pour les entreprises de licencier plus de 2% des effectifs par mois, une mesure jusqu'à là interdite. Vous imaginez Voilà la réalité de l'histoire. Donc, on continue. Quatrième plan d'austérité. Et toujours pareil. Toujours, toujours, toujours pareil. Nouvelle hausse, c'était en juin 2011 en Grèce. Nouvelle hausse de TVA et des taxes sur le, sur le fuel et le, le fuel de chauffage. Le fuel. Quoi, pardon, le fuel. Hum, Durcissement, écoutez bien, écoutez, c'est un article du monde, un article du monde. Écoutez bien, durcissement de critères pour les allocations sociales, y compris de chômage et réduction de certaines retraites complémentaires. Voilà, voilà, possibilité de licencier des employés d'organismes publics, supprimés ou fusionnés, Privatisation massive, ports et aéroports, la poste, énergie, Paris sportif, banque. Est-ce qu'on n'a pas privatisé la française des jeux il y a quelques années déjà Hein, les ports. Est-ce qu'on n'a pas vendu l'aéroport de Toulouse de chinois il n'y a pas longtemps Enfin, il y a pas longtemps, quelques années, il n'y a pas longtemps. Voilà. voilà Tout ça pour censer dégager 50 milliards d'euros supplémentaires. Vous voyez Donc, je peux faire ça en permanence. Je, voilà Taxe professionnel 450 euros imposés aux auto-entrepreneurs. Ça, c'était le quatrième plan. Le cinquième plan, le cinquième plan, 21 septembre 2011. Euh, Nouvelle taxe sur l'immobilier, nouvelle privatisation, 30 000 fonctionnaires mis en réserve, euh, réduction de 20 des retraites supérieures à 1 200 euros par mois. Voilà, je peux continuer comme ça jusqu'à 2015. Euh, voilà. 2000, 13 février 2012. Alors, ça paraît un peu, ça paraît, excusez-moi, un peu une liste à laprès verre mais c'est extrêmement intéressant. Une nouvelle fois, c'est un article du monde qui retrace, qui est très bien fait pour une fois, il faut le dire, très bien fait, qui retrace tous les plans d'austérité en plusieurs points, tout ce qui a été fait à la Grèce pour les, 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 les égorger, en fait, parce que c'est ça qui s'est passé. Grosso modo. 13 février 2012, baisse de 22% du salaire minimum. Ramené à 586 euros bruts sur 14 mois. Suppression de 15 000 emplois dans la fonction publique. Nouvelle diminution des pensions de retraite et dans les salaires des fonctionnaires. Réduction du budget de la Sécurité sociale et de l'armée. Privatisation de quatre entreprises d'État. Voilà ce on a, on appelle ça, de l'extorsion de fonds en banne organisée. Voilà ce qu'on appelle. Allez, on continue. 7 novembre 2012, ouvrez bien vos oreilles. Augmentation de l'âge de la retraite de 65 ans à 67 ans. Baisse de certaines pensions de retraite, réduction des salaires du secteur public, dérégulation des marchés du travail et des services, dérégulation des marchés du travail et des services. Vous ne voyez pas là, les liens qu'on peut faire, les passerelles qu'on peut qu'on peut supposer, supputer, bien entendu, et là je ne suis qu'en 2012, hein, ça va jusqu'en 2015 comme ça. Donc on peut en faire. C'était le septième plan d'austérité, Le septième. Huitième plan d'austérité, janvier 2013, hausse de l'imposition des professions libérales, hausse de l'imposition pour les salariés gagnant plus de 21 000 euros par an, par an, soumission des armateurs à l'impôt pour la première fois. Voilà. Cette loi très critiquée car accusée d'étrangler la classe moyenne permet à l'État grec de dégager 2,5 milliards d'euros sur l'année 2013. Tout ce que je vous dis là, que je vous énumère, c'est en train de se passer en France. Depuis un certain temps de derrière, depuis que Macron est là, il y a eu la réforme, bah, depuis que Macron est là, depuis qu'il est là, ordonnance travail, réforme des retraites, casse du code du travail, privatisation de tout genre. Vous voulez que je vous reparle d'Alstom, de la Française des Jeux C'est typiquement la même chose. Ils sont en train d'établir le même plan, le même plan à la France, littéralement. Si on ne voit pas ça, je ne sais pas. Moi, à un moment donné, il faut quand même un peu se renseigner. Euh, après 2015, là, on arrive dans le dur. 2015, 13 juillet 2015. Euh, là, je... Alors, qui a imposé ça les États, membres, les États membres se mettent d'accord pour structurer la Grèce, euh, la dette de la Grèce, pardon, et euh, en contrepartie de ce soutien financier, donc euh, on va les aider, la Grèce doit s'engager à mener des réformes sérieuses, entre guillemets, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. Donald Tusk, aujourd'hui premier ministre en Pologne, et euh, qui a véritablement mené une purge dans son propre pays en allant même faire intervenir la police dans les médias publics pour, pour interpeller plusieurs journalistes et virer tout le monde. Voilà. Et, euh, et mettre quelques opposants pos d'ailleurs à l'ombre, au passage. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Notamment. Réforme de la TVA pour la rationaliser, entre guillemets. Quand en, l'Union Européenne vous dit rationaliser, vous devez toujours vous attendre au pire. Des mesures, des, écoutez bien, des mesures pour améliorer la durabilité du système des retraites en vue d'une plus vaste réforme de ce dernier. Littéralement. Voilà. Une énorme nouvelle réforme des retraites. Vous avez vu tout ce que je vous ai cité depuis 2010? Les retraites, ils sont attaqués. Hein. Ça revient tout le temps, les retraites. Tout le temps, tout le temps, les retraites. Et nous, là, on a eu, on a eu cette forme des retraites. D'ailleurs, je vous annonce que le projet européen, c'est 70 ans, le départ de la retraite. Hein. Voilà. Donc là, vous avez pensé, euh, pour ceux qui pensent que c'est la dernière, la dernière cartouche, ils vont nous remettre les couverts dans deux ans ou dans trois ans. Ils nous le remettront les couverts. On ira sur 70 ans. Si, on, si, si personne ne bouge, on finira de bosser à 70 ans. Voilà. Euh, la mise en place de mesures de coupe quasi automatique dans les dépenses en cas d'excès budgétaire. Voilà la, ré la réalité de l'histoire. Ça, c'est euh, une nouvelle. C'est le neuvième plan d'austérité. Voilà, le neuvième plan d'austérité. Et il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, simplement, tout ça pour vous dire que euh, quand on arrive à. à ne serait-ce qu'en lisant, il ne s'agit pas d'être spécialiste des questions européennes. Je vous mettrai d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse d'avoir euh, le lien à cet, art cet article pour. Puissiez-le regarder à être opposé. C'est très bien fait, c'est vraiment pas, pas étouffant, c'est vraiment très bien fait. Ce qui se passe en Grèce en 2015, je le dis, je le répète depuis plusieurs années maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place en France. C'est du copier-coller, ce sont des plans d'austérité, c'est le pacte de stabilité, littéralement. Et je continue de penser, je l'ai dit en début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, je continue de penser que Macron crame délibérément la caisse. Il crame délibérément la caisse pour que la France, les Français, soient littéralement enchaînés au marché financier. Voilà, pour qu'on n'ait plus de souveraineté, parce que la souveraineté, ce n'est pas la souveraineté. On nous parle de souveraineté européenne. Emmanuel Macron devrait ouvrir un dictionnaire, parce que la souveraineté, ça ne se partage pas. La souveraineté ne se partage pas. Je veux dire, on a tout délégué à l'Union européenne, même notre monnaie, un État bah, monnaie, à monnaie, c'est-à-dire qu'un État n'est qu'un État qu'à partir du moment où il a eu un État de droit, et surtout qu'il a monnaie. Et il décide, euh, il décide à son âme et conscience, par, avec ses concitoyens, de son avenir, avec des élections dites démocratiques. Quand vous commencez à refiler la monnaie à Bruxelles à la BCE, bon, ben déjà, vous êtes plus souverain, hein, vous manifestement plus souverain. Donc lui, comme il est, il est, il est très fort. Très fort, vous m'entendez bien entre guillemets. Eh ben, il nous a parlé de souveraineté européenne. Ces technocrates là de conseil ont lui dire attends, euh, souveraineté là, il faut que, il faudrait quand même mettre souveraineté dans le truc parce que dans le bordel ça, sera, ça passera quand même mieux parce que manifestement si les cendants et les gueux on leur dit a plus de souveraineté ils vont s'énerver de tout rouge. C'est le cas, hein mais au moins on vous fait passer le coup de la souveraineté européenne. Voilà, ça c'est fou. Donc c'est pour ça que je veux, je, voulais, je veux vraiment qu'on aborde ce soir ça parce que ce qui s'est passé en Grèce c'est typiquement ce qui est en train de se passer ici. Voilà, on est en train, ils sont en train de couper. L'hôpital public en Grèce, il est apparu des maladies qui avaient disparu. Disparu. L'hôpital public est mort, complètement saccagé, quand même ravagé. Des gens sont morts de choses absolument qui pouvaient paraître bénignes au premier regard. S'il y avait eu des soins suivis, ils seraient, ils seraient en vie. Et en Grèce, il faut lire. En Grèce, il faut lire. Euh, il faut lire le livre de Yanis Varoufakis. Je, voulais, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ces émissions. Yanis Varoufakis, conversation entre adultes. Il y a même le film. Regardez le film. Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis, c'était le ministre des finances de la Grèce, ou Alexis Tsipras. Et c'est lui qui a tenté de résister à Merkel, qui a tenté de résister à la BCE, qui a tenté de résister à la Commission européenne, qui a tenté de résister au FMI, en essayant même. Il avait même pensé à faire un système monétaire parallèle pour les Grecs. Et Tsipras l'a trahi, puisqu'il a fait le tour d'Europe pour essayer d'aller voir à droite à gauche euh, comment il pouvait s'arranger pour restructurer la dette, pour essayer de, de ne pas en arriver là. Et Tsipras, avec Merkel, l'a trahi. Euh, Tsipras fait un référendum sur ce mémorandum. Les Grecs votent non. Et malgré ça, et malgré ça, euh, malgré ça une nouvelle fois, euh, la Troïka a imposé sa loi. D'ailleurs, Tsipras a démissionné après. Et quand on voit la sorte de la Grèce, je vous invite à la regarder. Vraiment, lisez. Yanis Varoufakis, parce qu'en fut Yanis Varoufakis, euh, il est de tendance euh, gauche. D'ailleurs, j'avais reçu euh, voire extrême gauche, et je l'avais reçu, vous pouvez aller voir dans les vidéos sur YouTube, je l'avais reçu il y a plusieurs mois, en, en, en exclusivité. On avait eu en, un entretien de plus de 35 minutes avec Yanis Varoufakis en direct d'Athènes, et c'était passionnant euh, ce que m'a raconté Yanis Varoufakis. D'ailleurs, je le remercie d'être d'être venu, de m'avoir accordé cette interview, comme quoi il y, a, il y a des gens, des hommes politiques de premier plan, euh, qui parfois euh, n'hésitent pas à venir sur nos médias alternatifs, quelle que soit leur obédience politique, je contre-fou concrètement. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir son avis là-dessus. Et Lenis euh, Varoufakis a fait tout ce qu'il a pu pour essayer euh, de ne pas voir la Grèce être littéralement égorgée financièrement par la Troïka euh, européiste, mondialiste. Et ça ne s'est pas fait puisque, bien sûr, euh, il a été trahi. Euh, si la trahi, Merkel a joué derrière. D'ailleurs, on y parle de Macron qui à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais on y parle de Michel Sapin. Vous verrez, il y a, il y a un livre vraiment intéressant parce qu'il est c'est un pavé, mais ça doit se dire comme un roman en fait. Euh, Varoufakis vous raconte les rencontres, vous raconte quand il va à Londres, quand il va à Paris, quand il va à Bruxelles. Il raconte les, des petites anecdotes qui vous donnent vraiment l'ambiance de ce que c'est la, 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 la brutalité, euh, l'humiliation d'être ministre de l'économie et des finances et de se retrouver face à des technocrates qui n'ont que pour seul objectif de vous détruire, de vous détruire et de vous ruiner et de vous ruiner. Donc, nous avons ça. Et, et on se rend bien compte que, euh, une nouvelle fois, la vie des peuples, Juncker le disait, notamment, il n'y a, a pas de valeur démocratique contre les traités européens. D'ailleurs, à, à, à ce sujet-là, je voulais vous faire un peu la, pas la promo, parce que je, vous savez, quand je vous propose des choses, c'est que j'ai lu ça ce matin. Euh, c'est très intéressant, c'est le nouveau numéro de Front Pop, alors vous voyez, je n'ai pas d'action chez Front Pop, j'y connais personne, donc concrètement je suis très à l'aise, mais j'ai lu ça. Et vous avez un très bon dossier là-dessus. Euh, je l'ai lu ce matin, euh, je vais, vous le voyez, euh, sur, euh, sur l'Union européenne et sur, notamment sur quest ce qu'est euh, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, la Commission européenne, la Cour du style de l'Union européenne. C'est très bien fait. Très très bien fait. Franchement, vous avez une petite bible là. Achetez-le si vous pouvez, parce que franchement, vous, si vous avez encore des doutes sur euh, les différentes institutions de l'Union européenne, là c'est très clair, c'est très bien, ça se garde, ça se met dans une armoire et revenez-y. Quand... Mais vraiment, lisez-le euh, parce que vraiment, euh, chapeau à l'équipe de Front Pop, parce que c'est un très très bon dossier. Euh, voilà. Donc je vous dis, moi, j'ai pas d'action chez eux, je suis pas même pas abonné chez eux euh, et j'y connais personne. Donc autant vous dire que je suis très à l'aise d'en parler, mais j'ai trouvé que c'était intéressant et ça me dérange pas de parler quand les confrères font du bon boulot. Il faut aussi le dire parce que ça. Typiquement, si vous avez un moment de demain ou d'ici fin de semaine, allez l'acheter, vous allez voir, c'est vraiment très bien fait et c'est passionnant. En plus, il y a l'ami euh, Philippe Murer qui a, qui, a, qui a fait un article dedans et c'est intéressant. Voilà, c'était un peu, la pro, un peu le, pour vous donner quelques exemples. Mais également, en termes de bouquins, n'hésitez pas à lire euh, Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. C'est en poche, achetez-le. Même vous avez d'occasion hein, l'occasion, euh, mais franchement, c'est super intéressant. Vous allez me remercier quand vous l'aurez lu. En tout cas, je, merci beaucoup d'être là. J'ai beaucoup parlé. Enfin, je, beaucoup parlé. Je vais même pas de vos commentaires. Désolé. Euh, N'hésitez pas à me dire. N'hésitez hein, euh, pas à me dire euh, d'où vous nous regardez. Bien entendu, vous le savez. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes très nombreux encore ce soir. N'hésitez pas à nous aider. Merci, euh, merci Laurent euh, pour les abonnements offerts. En tout cas, merci beaucoup, euh, merci Laurent d'avoir offert des abonnements euh, à Pouch Media. C'est très bien. Merci pour ceux qui donnent. Merci. Pour ceux qui nous soutiennent, vous allez sur Pouch Media, vous pouvez nous aider. Vous avez des liens en bas de la vidéo sur YouTube. Euh, vous pouvez nous faire un don euh, par PayPal, par Tipeee, euh, sur Stripe. Vous pouvez vous abonner on a vraiment besoin. Vous le savez, on vous le dit en permanence. Mais le jour où plus personne nous aidera, on ne sera plus là. Voilà, je vous le dis. Euh, il, faut, il faut le savoir. C'est grâce à vous qu'on est là. Et c'est grâce à vous qu'on existe Vous le savez, je vous le dis en permanence quand on se rencontre ça et là lors de conférences ou à droite, à gauche. Merci d'être là, en tout cas, et de nous soutenir et d'être aussi nombreux tous les soirs à regarder euh, Pouch Live. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je je suis très heureux, on a passé les 137 000 abonnés hier, je crois, et les dernières émissions ont vraiment bien marché. Moi, je vous remercie d'être aussi curieux aussi, euh, parce que je sais qu'avec vous, je peux euh, je peux inviter des gens qu'on qu ne connaît pas forcément, mais comme Alain Falento, comme Yann Godin, et c'est toujours un plaisir de vous programmer, de programmer pour vous hein, des gens euh, euh, qu'on ne connaît pas forcément, et je, je, je vous sais très fidèle, et je vous sais très attentif à la programmation que je propose. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail, vous le savez, et j'essaie toujours... Euh, de vous de mettre de mettre des gens qui me semblent intéressants pour vous donner des grilles de lecture et quel que soit leur bord politique vous le savez je m'en fous euh, j'aime j'aime les gens brillants j'aime les gens intelligents et j'aime les gens qui parlent vrai et euh, qui ne, et d'ailleurs qui passent pas souvent à la télévision mais eux ne le veulent pas et ils sont très bien ici et d'autres voilà merci beaucoup alors bonsoir à tous hein. alors pour ceux qui sont bien sûr on est en live euh, bonsoir à tous euh, Bonsoir Dugard, vous êtes un peu partout. Merci. Euh, merci beaucoup, Ange, pour. Euh, je sais que vous êtes au Canada et vous nous faites un don. Merci beaucoup. Euh, merci pour ce don en dollars. C'est très, très important. Même si ça vient du Canada, même si c'est 10 dollars, c'est très important. Même un euro, c'est extrêmement important. Donc merci pour ces abonnements que vous offrez. Merci pour les dons que vous faites en ligne. Euh, parce que c'est comme ça qu'on continue et c'est comme ça qu'on peut faire. Parce qu'on est vraiment de plus en plus mis à l'épreuve. Bonsoir Metz bonsoir Sabrina. Euh, bonsoir Sylviane. Euh, euh, espérons que je puisse venir en séjour. Notamment à Bordeaux pour des dédicaces et des signatures. Il y a encore des choses qui vont se passer. Euh, je suis invité à droite à gauche, donc je vous dirai. Euh, je sais que je vais essayer d'aller à Bordeaux euh, ou dans le coin du secteur de Bordeaux. Je serai à Montpellier bientôt aussi. Je vous donnera toutes les infos. J'ai un Substack, vous savez, mon blog Substack, Nicolas Vidal Substack. Vous avez toutes mes dates de signature euh, et n'hésitez pas à nous envoyer des messages en tout cas. Merci, vous êtes très nombreux ce soir. Bonsoir de Martinique. Euh, merci. Euh, pardon, ouais, j'ai tombé le truc. Euh, Mar Martinique, effectivement. Euh, voilà. Donc en Continue, on continue ensemble, désolé, je disais vos commentaires puisque je ne les avais pas lus. Bonsoir de Nantes aussi, du Gers, vous êtes très nombreux, de la Meuse et de Montpellier. Je serai bientôt Montpellier pour une dédicace. Euh, et des Pernay sur Marne. Donc on continue. Oui, donc ces gens en plus ont on dépensé un peu de, de dingue, pardon. Le bouclier tarifaire, notamment. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas le seul hein, à dire. On est quelques-uns, pas nombreux, mais quelques-uns. Euh, le bouclier tarifaire, notamment pour faire face au prix de, du gaz d'électricité, euh, ces gens, déjà, nous ont dit que l'État nous protégeait, mais l'État, c'est nous. Hein, concrètement, c'est nous, c'est pas eux. Ce n'est pas le Kofi de Bruno Le Maire. Ce n'est pas lassurance vie de Macron. Euh, hein, Ce n'est pas l'ivraie de Hattal. Euh, quand on vous dit que l'État va protéger les Français, c'est faux. L'État a protégé les Français avec l'argent des Français. Voilà, et le pognon des Français, donc déjà. Et. Euh, il n'aurait peut-être pas, peut pas été nécessaire d'avoir un bouclier tarifaire. Si nous étions sortis du marché européen de l'énergie, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Mais comme vous êtes trop idéologue, buté, borné, euh, notamment euh, pour en sortir, parce que euh, comme l'a fait notamment le Portugal et l'Espagne, et eh bien bien entendu, on se retrouve à devoir mettre des cramer des dizaines de milliards d'euros sur la table, on des centaines de milliards pour essayer de pas avoir une explosion sociale, parce que la réalité de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, ils ont évité l'explosion sociale version gilet jaune fois mille. Voilà, donc ils ont ils ont cramé la caisse, et puis maintenant ils continuent à cramer la caisse. Voilà. Notamment, tout à l'heure, nous parlions de, du référendum chez les Grecs, 2015. Nous, c'était 2005. Vous voyez qu'ils ne respectent absolument rien. Et, euh, et c'est marrant parce que vous avez le CETA. J'en ai parlé hier ou avant-hier. Le CETA, vous avez donc, vous savez, le traité de libre-échange avec le Canada, euh, qui est décidé par la Commission européenne, puisqu'elle a la compétence exclusive en la matière. Et nous avions, les députés avaient voté, avaient ratifié notamment le volet arbitrage. Il fallait que ça passe au Sénat. Et la Macronie a tout fait depuis 2019. Juillet 2019, les dé députés ratifient le vol arbitrage. Le vol arbitrage, ce n'est pas le vol économique, c'est le vol arbitrage, c'est-à-dire que, grosso modo, je le fais très rapide, <laughs> que, pardon, une entreprise euh, privée qui euh, penserait avoir été lésée par l'État français pourrait traîner l'État français en justice comme n'importe quel euh, kinda. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça. Grosso modo, vous êtes plus fourin, parce que si vous refusez quelque chose, on vous traîne en justice. Voilà. Et donc, ça a été voté à as l'Assemblée, mais c'était bien aussi que ça passe au Sénat. Et donc, ces gens ont fait tout pour retarder l'échéance. Et c'est pour ça que maintenant, c'est passé au Sénat. Ils ont fait tout pour retarder l'échéance, ces gens-là. Il a fallu attendre maintenant, une, il faudra attendre une niche parlementaire euh, courant mai des communistes, je crois, pour peut-être essayer finalement que ça repasse à l'Assemblée, que ça soit peut-être euh, euh, refusé ou retoqué. Et là, parce qu'ils sont super forts. Valérie Ayer nous dit pas de souci. Valérie Ayer, vous savez, c'est la tête de liste, porte-parole de Renew, Renew Europe, hein, la, la, la porte-parole en jaune et bleu de, c'est ce que j'appelle Valérie à peu près, qui disait ben bah oui, mais en fait les, notre, les, les, les chambres ou les parlementaires peuvent voter non, nous on s'en fout, ça sera quand même appliqué. Parce qu'en fait, il faudrait que j'ai regardé parce que je me suis, c'est pas possible. Mais Si c'est possible, est tout, tout est possible avec eux. Tout est possible avec eux. Enfin, c'est pas que tout est possible avec eux. C'est que tout est possible, la, la, la Commission européenne. C'est-à-dire qu'en fait, si l'État français, le gouvernement, ne notifie pas à la Commission européenne qu'il y a eu un rejet parlementaire du traité du CETA, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc vous imaginez bien que le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe ne va pas envoyer un petit courrier à Ursula von der Texte-Leyen et à Thierry Breton, hein, qui est commissaire au marché intérieur, pour lui dire euh, Cher Thierry, euh, je t'annonce ce jour que euh, le Parlement français a refusé. Euh, de, ratifier, euh, de ratifier le CETA ben non on va pas le faire donc voilà donc en fait ces gens se foutent de nous euh, le le parlement euh, l'assemblée le sénat et notamment l'assemblée c'est un club de bridge un club de zumba ce que vous voulez une buvette une brasserie mais ce n'est plus rien du tout Plutôt. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ces gens-là sont tombés du maintenant par les élections européennes du 9 juin, en nous expliquant notamment Jordan Bardella et d'autres euh, qui nous expliquent que ça sera la véritable motion de censure. Ça sera le 9 juin. Non, ce ne sera pas le 9 juin la véritable motion de censure. Euh, ces élections européennes n'auront aucune incidence puisque, vous le savez, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois, il ne vote pas les recettes, donc euh, euh, il a un avis purement consultatif parce que le dernier mot revient à la commission. Donc autant vous dire que ça ne sert à rien. Donc vous pouvez avoir les alliances, tous les alliances que vous voulez, ça ne sert à rien. Je répète tout le temps à ceux qui me disent que le Parlement a un véritable rôle. Euh, Est-ce que Ursula von der Leyen est-elle venue s'expliquer devant une commission parlementaire à Bruxelles enfin, À Bruxelles, à Strasbourg, pardon. Jamais, jamais. Jamais, elle n'est pas venue, donc ça veut dire, ça vous donne, ça vous donne l'intensité du poids euh, du Parlement européen. Et ce qui est intéressant, j'en discutais avec un ancien député européen, euh, d'ailleurs deux anciens députés européens, pour le coup euh, récemment, euh, parce que c'est aussi mon boulot d'aller. Et effectivement, il me disait, alors je, il me disait très clairement qu'il y avait une forme de corruption institutionnelle, parce que je vous l'ai déjà dit, j'étais un des premiers à le dire, que la rémunération, l'indemnité du parlementaire européen, c'est 10 075 euros par mois, plus tous les à côté, avec presque 4 900 euros de frais généraux, plus des remboursements, plus un forfait, restaurant, logement par jour de 300 euros. Donc quand vous prenez autant de pognon par mois, autant de pognon, avec les transports gratuits, une première classe, avion, train et consorts, eh bien, vous n'avez pas envie de retourner à la table, en fait. Vous n'avez pas envie de retourner à la table. C'est terrible, mais quand vous êtes très, très bien payé comme ça, ça vous permet d'acheter votre silence, pour ne pas dire autre chose. Voilà, on achète le silence. Donc, quelques-uns font du très bon travail, il ne faut pas exagérer. Michel Rivasi, feu Michel Rivasi, qui est décédé il y a quelques semaines, ou Virginie Joran. Vous voyez, on a deux députés qui sont à l'opposé euh, des, des mêmes idées politiques. Hein. Mais il y en a quelques-uns, toujours. Mais ça pose problème. Si vous aviez lu l'enquête du site The Follow the Money, un, vous avez un quart des députés européens aujourd'hui euh, qui est empêtré dans les affaires de corruption. Voilà, c'est tout. Je vous dis... Et après, ils vous font les gorges chaudes euh, sur sur, sur le Parlement européen et que c'est génial et que ça va rebattre les cartes et que ça va être formidable et que vous allez voir ce qu'on vous allez voir et on va s'allier avec eux et on va s'allier avec eux et vous allez voir, on va, il va y avoir une force de proposition. Non, en fait, non, il n'y aura pas de force de proposition, chers amis, puisque et d'ailleurs, je vous le redis, je vais faire encore un peu de, un peu de promo. Je vous présente ça. Vous avez typiquement là-dedans. À quoi sert vraiment le Parlement européen Ça, vous l'explique très rapidement et vous comprenez de suite. Voilà. Donc vraiment, là, euh, ça. ça c'est vraiment un très très bon numéro de front-pop. C'est la première fois que j'en parle dans mes émissions. Vous voyez comme quoi je n'ai pas de problème. J'ai déjà présenté d'autres revues. Comme je suis pas sectaire, hein, je présente des médias, des médias, pas des médias amis, des médias qui sont, on va dire, indépendants ou du moins qui sont subventionnés par leurs abonnés donc j'ai pas de problème avec ça, quand il y a des bons papiers chez les, chez les gens, je le dis avec grand plaisir voilà, donc ça c'est important, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que manifestement, on a un véritable problème, et que je reviens à mon idée de départ pour ceux qui viennent de nous rejoindre et merci, vous êtes très nombreux, une nouvelle fois vous êtes plus de 2300, 2400 sur l'ensemble de nos réseaux merci de me suivre euh, voilà, on se retrouve avec, avec un sacré, sacré, sacré problème et surtout de dette, euh, parce que c'est nous qui allons à un moment donné en subir les conséquences concrètement, et ça va faire très mal, ça va faire très, mal. Euh, ça va faire très mal pour euh, pour euh, la sécurité sociale donc pour nos soins médicaux ça va faire très mal pour nos remboursements médicaux regardez le nombre de gens qui aujourd'hui en France ne vont plus chez les toubibs ne vont plus d'une part parce que un rendez-vous chez un toubib chez un spécialiste c'est trois ou quatre mois euh, avoir un rendez-vous chez un généraliste selon où vous habitez eh ben ça va être compliqué euh, et euh, où chez un pareil et puis après le prix euh, si votre mutuel vous rembourse mal ou que euh, c'est déconventionné il y, a toute une, il y a toute une série de choses qui font qu'aujourd'hui il y a des millions de gens qui c'est qui, pas qui refusent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner parce qu'il faut qu'ils engagent des frais qu'ils n'ont plus les moyens donc on se retrouve véritablement dans un pays qui plus, est plus en train de se déclasser c'est un pays qui est en train de s'effondrer de s'effondrer et ces gens là et ces gens là continuent à augmenter les impôts et nous sommes l'un des pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires mais je prends souvent l'exemple vous prenez un jour vous avez envie de vous, vraiment vous faire plaisir vous voulez prendre un hôtel sympa un soir, je vais prendre un exemple simple, euh, où vous payez un certain, euh, une certaine somme importante pour un hôtel, euh, on va dire 200 euros, disons, voilà, prenez 200 euros. Donc vous, vous attendez, vous, quand vous arrivez à l'hôtel, euh, vous attendez à avoir une prestation à hauteur de 200 euros. Si vous vous retrouvez dans le boui-boui, au fin fond de la zone commerciale, où les murs sont aussi épais que du papier à cigarette, que la douche est un seul bloc plastique et que la porte n'est pas isolée, manifestement, matin, quand vous allez vous lever si vous avez dormi, euh, vous allez avoir un sens de l'humour très approximatif avec le tenancier de l'établissement en disant moi, j'ai payé une telle somme pour telle prestation et je me retrouve avec telle prestation euh, pour une somme très conséquente. Et bien là, c'est pareil. Moi, quand je cotise, nous cotisons, nous espérons minimum avoir un, un, un service. Parce qu'il y a de la solidarité, bien entendu de la solidarité, mais on doit me rendre service. C'est-à-dire que quand on paye des impôts, si on est malade, si malheureusement on est malade, qu'on a besoin de soins, que ce soit une urgence ou par des spécialistes, ou eh bien, on a envie d'aller dans un hôpital public où on ne crève pas dans les urgences sur un brancard pendant 10 heures. desséché, affamé, parce qu'il n'y avait pas le radiologue, parce qu'il n'y avait pas l'interne, il n'y avait pas assez d'interne, il n'y avait pas le chirurgien, il n'y avait pas le directeur de service, il n'y avait pas le chef de service. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ces gens supporteraient... Ces gens-là, est-ce que supporteraient au gouvernement de faire ça Est-ce qu'ils supporteraient de vivre, ne serait-ce que deux jours une journée, ce que vivent des millions de Français Allez regarder, vraiment je vous invite à aller regarder le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Vous allez voir, c'est hatvp.fr. Vous avez toutes les déclarations. Allez voir les déclarations d'Yelbrand Pivet. Allez voir les déclarations d'Amélie Oudéa Castera. Allez voir les déclarations d'Agnès Pagnier-Hunaché ces gens sont blindés de pognon. Alors, moi, je ne pose pas de problème qu'ils soient blindés de pognon. Mais après, par contre, ne venez pas nous dire qu'il va, va falloir baisser drastiquement les dépenses sociales, il va falloir augmenter les impôts. Ces gens-là, mais ils, sont des, ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Euh, hier soir, je regardais notamment une vidéo que je n'avais pas vue euh, où il y a le Je n'ai rien contre elle, hein, personnellement, pour le coup, mais... Elle a parfois des réflexions qui me, qui me stupéfient un peu, de temps en temps. Elle expliquait dans une réunion, et j'essaierai de retrouver la vidéo. Elle avait une prise de parole, et elle s'énervait parce qu'une journaliste lui posait la question de savoir si c'était n'était pas indécent que les députés et les sénateurs se soient augmentés respectivement de 700 et 300 euros pour faire face à l'inflation. Et elle était très énervée en nous disant, toujours la même bêtise oui, vous comprenez, à un moment donné, à ce rythme-là, il n'y aura plus personne qui voudra être député. Mais attendez, 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 attend. euh, oui. Les gens ne voudront plus de députés, ne voudront plus de maires. Alors que les gens ne veulent plus être maires des petites communes, ça je peux l'entendre. Ça je peux l'entendre. Mais à 7000 balles brutes euh, d'indemnité, plus tous les avantages qu'il y a à côté, euh, je peux vous assurer qu'il y, y a du monde au portillon. D'ailleurs, ils se mangent le nez à chaque fois pour être investis, par l'un ou des autres des partis sur, sur les circos. Hein. Donc il faut arrêter de nous raconter des bêtises. Quoi. Parce que non, c'est indécent. Non, il y a le brand privé. C'est indécent que les sénateurs s'augmentent 700 euros. C'est indécent que les députés s'augmentent 300 euros. C'est absolument indécent. Indécent. Alors, oui, c'est des frais de, des frais généraux. Ah oui, vous comprenez, c'est pas une indemnité, c'est des frais généraux. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, l'augmentation, elle fait face aux dépenses de, de, de logement, elle fait face aux dépenses de, de, de restauration. À un moment donné, c'est de l'argent qu'ils ne vont pas donner de leur poche. Ben, on peut le tourner comme on veut, si tu veux. On peut dire que ce n'est pas l'augmentation euh, de l'humanité que c'est des frais généraux, de machin. Ces gens se foutent de notre gueule. Voilà, il faut le dire. Et c'est absolument indécent, indécent de, euh, de, de faire ça. Absolument dingue. Voilà, donc on se retrouve dans une situation complètement dingue là-dessus où eux, alors, je suis désolé, hein, moi, je n'ai moi, je pas d'amitié particulière pour le poujadisme sous toutes ses formes, mais j'espère je, je, avoir, et n'hésite pas à me le dire en live, euh, j'ai je, je, simplement du bon sens, en fait, du bon sens. Ces gens ne vivraient pas deux jours, n'accepteraient pas, n'auraient pas les capacités de, de vivre deux jours ce que vivent des millions de gens, pas deux jours, voilà. Alors, leur proximité, en circonscription, machin, enfin oui… Euh, euh, se déplacer en voiture, euh, payer euh, par nos impôts, euh, aller faire des serments de main, des scies, des inaugurations, euh, des cocktails, des bochons. enfin tout ça c'est joli, quoi, c'est peut-être le travail du député. Mais je veux dire, à un moment donné, euh, par contre, quand vous êtes à l'Assemblée, si vous faites partie de l'opposition, on vous entend pas beaucoup. Voilà, donc manifestement, il risque d'avoir une niche parlementaire. Euh, des commis, je vous le disais, pour le CETA, et peut-être une motion de censure. Euh, on verra, hein, parce qu'apparemment, il y a plusieurs partis d'opposition qui sont déjà partis dans les européennes. Voilà, donc ces gens ne servent ni la démocratie, ni la France, et se foutent de la gueule des Français. Ni plus ni moins. Et donc on se retrouve avec eux là, parce que manifestement, quand vous vous retrouvez euh, là-dessus, euh, sur. sur euh, sur la capacité d'Emmanuel Macron et cette volonté complètement dingue. En plus, monsieur Eva Tanguère, monsieur, c'est le. C'est le. C'est Macron, c'est. C'est Emmanuel Rambaud, vous l'avez tous vu avec son, frac de, son sac de frappe. Je vous rappelle que d'ailleurs tous les médias français quand Poutine c'était 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 baladé torse nu sur un cheval, euh, les médias français c'était pas c'était pas empêché de le critiquer. Et par contre quand Macron est dans une a des photos dans un sac de frappe, par contre les, les mêmes médias qui ont sacrément allumé Poutine, je n'ai aucune amitié pour Poutine pour le coup, donc ni pour Poutine ni pour Biden. Donc c'est très simple, je, je simplement beaucoup d'amour et beaucoup d'inquiétude pour mon pays. Voilà, mais je fais toujours le comparatif. Quand Poutine s'est baladé torse nu. Là, les mêmes médias euh, qui avaient largement, très largement descendu Poutine, comme vous avez descendu Trump à une autre époque. Par contre, Emmanuel Macron, là, par contre, oui, c'est une communication. C'est pour montrer que le président est à l'attaque, il est combatif, il, il saisit les dossiers. Vous vous foutez notre gueule, en fait. Vous vous foutez notre gueule tout le temps. Ça devient, vraiment, ça devient pénible. Ça devient véritablement pénible. Voilà. Et, euh, alors, et donc, je voulais qu'on travaille là-dessus. Enfin, je voulais qu'on parle de ça, notamment. Et, et moi, je suis très inquiet, puisque, puisque je, je vous le dis depuis le début et je vous le dis dans cette émission je pense qu'il y a une véritable volonté de cramer la caisse et surtout de faire, de finir, de faire les poches des Français. Et aujourd'hui, ils ont besoin de thunes. Ils ont besoin de thunes, donc ils vont faire absolument n'importe quoi pour récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Parce que 3100 milliards de dettes totales, c'est absolument un scandale. Aujourd'hui, un entrepreneur qui s'amuserait à faire un tel déficit au prorata de son chiffre d'affaires, n'exagérons pas, euh, n'importe quel entrepreneur en France qui s'amuserait à faire ça, mais il se ferait, il se ferait, euh, il se ferait défoncer. C'est le même ménage, le ménage qui s'amuserait à avoir un tel niveau d'endettement par rapport à son budget. Euh, c'est la Banque de France, c'est l'arrêt du carnet de c'est les huissiers. Fin... Mais eux, non. Et puis, ce qui est terrifiant, c'est d'écouter Bruno Le Maire, qui vous dit qu'il n'y a pas de problème, que le cap, il est là, qu'ils ne vont pas changer de cap, et qu'ils vont aider les entreprises, ils vont aider le travail, et ils vont faire du Pôle emploi. Il a trois mots c'est travail, entreprise, Pôle emploi, Bruno Le Maire. Voilà. Et renflement de bronze dilaté, pour ça, à certains égards. Et puis, lui, il écrit des bouquins, en plus. Il attend d'écrire des bouquins, lui. Non, mais franchement, il se moque de qui, Bruno Le Maire Il écrit des bouquins, lui. Il, a, il, est là depuis, il est là depuis 2017, le type. On est en 2024. Ça va faire sept ans qu'il est là. En mai, ça fera sept ans qu'il est là. Il a mis la France avec Macron, la doublette macron le Maire là Ils ont détruit littéralement la France. Et lui, il écrit des livres. Et il est invité sur les plateaux. Avec son bouquin. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à lui poser, par exemple, à Bruno Le Maire, par exemple, sur le scandale des OATI, la dette indexée sur l'inflation, sur notre contribution à l'Union européenne, qui est très largement créditrice Très largement. Très largement. Est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire de ce côté-là aussi Est-ce qu'il n'y aurait pas des économies à faire sur la fraude, la fraude sociale, la carte vitale Hein Charles le je vous renvoie au cartel des de Charles Prats, qui vous dit qu'il y a 67 millions d'assurés, il y a 73, 74 millions de cartes vitales actives. Ah ben non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Pourtant, apparemment, il y a des. D'après de ce que je sais, il y a des logiciels très simples qui permettent de recouper les données. Euh, Est-ce qu'on ne se souvient pas tous ensemble Pendant le Covid, ils ont mis trois mois, même deux mois, pour faire des QR codes et pour faire des, des passes certificats EU, euh, certificats euh, EU. Hein pour, pour nous interdire d'aller au resto, pour nous interdire d'aller au bar, pour nous interdire de prendre le train, pour nous interdire d'aller voir nos proches, nos grands-parents dans les EHPAD. Par contre, il n'y a pas eu de problème. Pour mettre un QR code en deux mois, là, ils l'ont fait. A pas de souci. Par contre, pour aller euh, désactiver des cartes vitales fraudées, enfin pas fraudées, mais désactiver des cartes vitales qui sont fraudées dans le sens où elles, elles sont partagées par plusieurs personnes et que c'est nous qui payons, là, on ne peut pas. Là, on ne touche pas. Bon, je ne parlerai même pas d'évasion fiscale, hein, parce que là, manifestement, ce n'est pas le moment d'en parler. Euh, L'évasion fiscale, tous ces gens continuent à aller au dîner du siècle, tous ces gens continuent à se parler, tous ces gens sont dans des conflits d'intérêts manifestes. Euh, on dépense des fric un fric monstre pour les, pour les Jeux Olympiques, et j'oublie probablement beaucoup, beaucoup de choses, mais nous, les Français, nous, on vient nous faire les poches. On vient nous faire les poches. Il y, y a peu de choses à dire. Il y a peu de choses à dire, et je le dis en permanence, on le dit en permanence, mais manifestement aussi. Euh, parce qu'il n'y a plus d'opposition politique dans ce pays. Il n'y a plus d'opposition politique dans ce pays. Mais, mais manifestement, ce gouvernement aurait dû être désingué démocratiquement. Euh, à la première motion de censure, il fallait qu'il tombe. Il fallait qu'il tombe. Alors, les autres n'étaient pas là. Moi, j'étais à la buvette. Moi, je ne veux pas voter avec lui parce que c'est la LFI. Et moi, je ne veux pas voter avec lui parce que c'est le RN. Et lui, je ne vote pas avec lui parce que je ne l'aime pas. Voilà. Et donc du coup, ben, du coup, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Hein comme disait Edouard Philippe en 2021, les secs, ça passe. Tout passe. Voilà. Et maintenant, tous ces gens, euh, fiers comme Artaban, euh, ne voient qu'une chose, c'est les élections européennes. Ils ne parlent plus que de ça, les élections européennes. Les élections européennes, les élections européennes, les élections européennes. C'est absolument mais dès. La Allez, je vais lire un peu vos commentaires, chers amis, parce que ça fait plus d'une heure que je parle et j'ai très peu lu. N'hésitez pas à me poser vos questions puisque euh, va prendre un peu de temps en tout cas. Euh, voilà, merci à tous d'être là. Vous êtes très nombreux ce soir, hein. plus de 2700 sur l'ensemble des réseaux pour ceux qui regardent bien sûr l'émission en live et merci à ceux qui vont regarder un replay. Mettez-vous à l'aise. N'hésitez pas, posez-moi vos questions, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est extrêmement important, vous le savez. N'hésitez pas, euh, bien entendu, euh, à nous aider aussi si vous pouvez, vous savez, on vous rabâche ça, mais c'est très important, vous avez les liens, si vous êtes sur YouTube, vous avez tous les liens en bas de la vidéo. N'hésitez pas, même un euro, c'est super important, et je remercie encore euh, les gens qui nous envoient des courriers à la rédaction, des courriers papier, euh, vos mots sont euh, absolument touchants, et merci, je les lis, je les garde, ils sont tous conservés, donc tous les courriers qui m'arrivent sont conservés, lus, conservés, Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde. Parce que vous m'en envoyez beaucoup, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir vous lire. Euh, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous m'avez dit que vous y étiez. N'hésitez pas à me dire également euh, un peu. Euh, voilà. Eh bien, oui, bah, oui bah, sûr, avec, avec l'Ukraine, c'est pareil. Je vois que beaucoup, ça revient beaucoup dans, le live, dans les commentaires l'Ukraine. Bah, L'Ukraine, c'est pareil. L'Ukraine, on file un point de dingue. Les Américains se désengagent là-bas. Nous, lui, il est capable de. Euh, lui, il est capable de nous dire qu'il va envoyer des troupes. Euh, bon, euh, maintenant, j'ai vu que le cornu, le ministre des Armées, euh, allait réquisitionner euh, des entreprises pour euh, probablement augmenter la capacité militaire de la France. Enfin, euh, vous, mais vous allez aller jusqu'où Vous allez aller jusqu'où, les gens-là Jusqu'où vous allez aller Tu es prêt, Macron, toi, à prendre ton petit pare ton petit casque avec Gabriel Attal, Stéphane Séjourné et Amélie Oudia-Castera euh, pour aller sur le front mais, mais, vous, mais, mais, mais vous réfléchissez trois secondes et demie à ce que à, à, à la portée de votre incompétence et de votre inconséquence. Alors bien sûr, après la propagande vous dira euh, euh, toujours pareil. Euh, il faut intimider Poutine, il faut intimider si, il faut intimider mi. Enfin aujourd'hui, euh, les vrais perdants. Les vrais perdants de cette guerre en Ukraine, hormis les Ukrainiens, le peuple ukrainien, bien entendu, on a toujours une pensée pour les gens, les civils qui souffrent mieux, qui en prennent, qui en prennent plein la bouche pour pas un rond. Et c'est tragique c'est dramatique. Hein, comment ne pas en parler Mais je veux dire, les, et ceux qui ont véritablement... Euh, véritablement euh, souffert économiquement aussi, euh, sur le plan, euh, plan euh, c'est la France. Regardez, euh, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est un, un pur scandale. On est en train d'aller chercher du GNL américain, dont les Américains ont consciemment pris soin de l'augmenter quelques mois avant la guerre en Ukraine, euh, pour nous couper des Russes avec, en termes de gazoducs, en termes d'énergie, euh, et nous nous faisons dépouiller par les Américains. Une nouvelle fois, moi je n'ai pas plus d'amitié pour Poutine que pour Biden, donc c'est très simple, je suis très à l'aise avec ça. Il y a un intérêt, c'est la France, Il y a toujours la question qu'on doit se poser, c'est où est notre intérêt Où est notre intérêt Voilà, et puis à un moment donné, euh, Macron voit bien qu'il y a un véritable problème, parce qu'il voit bien que, et ça c'est intéressant, on voit bien que euh, le, le narratif de la peur en Ukraine euh, ne marche pas, le narratif finalement du chevalier blanc. Euh, qui va défendre les valeurs européennes, la démocratie des peuples et tout, alors qu'il n'est pas foutu, lui, euh, il n'est pas foutu, lui, il est respecté en France, euh, ça ne prend pas dans la population. Les gens, moi, me le disent, dites-moi-le en live, mais les gens me le disent beaucoup, les agriculteurs, mes amis agriculteurs, mes amis artisans euh, euh, me disent euh, on va filer 3 milliards du roi d'Ukraine et moi, je me fais déchirer par l'URSSAF, moi, je me fais déchirer par les impôts, mais à quoi, à, à, à quoi ça rime tout ça À quoi ça rime Ça s'appelle le bon sens, en fait. Ça s'appelle le bon sens. La France n'a pas les moyens. La... Est-ce que la France a des intérêts ou pas des intérêts Est-ce que la France n'a pas les moyens ou pas voilà tout simplement donc c'est c'est une vraie question euh, qu'il faut se poser et c'est une question aussi euh, dans laquelle il faut souvent mettre les pieds dans le plat pour pouvoir essayer d'expliquer là-dessus voilà en tout cas merci beaucoup je viens d'avoir on vient d'avoir merci pour les derniers dons hein. euh, je n'avais pas vu passer merci beaucoup pour ce dernier don c'est très 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 c'est très très euh, bienvenu pardon c'est extrêmement bienvenu puisque la situation pour nous enfin euh, pour nous euh, dans la ceinture est de plus en plus compliquée voilà un peu alors ce soir j'ai fait un, un, un long live on va dire là-dessus euh, je trouvais ça intéressant. Je vais essayer de prendre encore euh, quelques commentaires pour essayer de vous répondre concrètement. Euh, voilà. Alors vous avez aussi, hein, je n'avais pas parti. Je le vois aussi. Euh, pareil je vais vous présenter Marianne euh, si vous voulez vous avez la lecture je, je suis en train de le lire en fait c'est pour ça que je l'ai sur le bureau ce président qui craint pour sa peau euh, Marianne Emmanuel Macron euh, extrêmement intéressant euh, ce numéro notamment sur, euh, sur, euh, sur euh, la flippette d'Emmanuel Macron euh, notamment avec ses fameux gilets pare-balles et euh, sa peur panique euh, d'aller euh, d'aller euh, d'aller euh, d'aller chercher euh, d'aller se présenter en public voilà donc ça c'est intéressant voilà c'est la lecture si vous avez un petit moment euh, n'hésitez pas à vous procurer soit Marianne, soit Front Populaire. Une nouvelle fois, j'ai pas d'amis là-bas, je n'ai aucun intérêt avec eux et je n'ai pas d'action chez euh, ces, deux, euh, ces deux médias. Euh, mais c'est simplement que je, je les suis en train de les lire et que je trouve, je trouve intéressant de vous communiquer si des articles qui sont intéressants à lire. En tout cas. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, ah oui, ben alors oui, je n'ai pas, pas encore écouté al Bonnel euh, Je sais qu'on me pose la question, hein, je l'écouterai tout à l'heure parce que c'est une vidéo que j'ai mise par côté. Et euh, je vous promets qual viendra très vite en euh, Voilà, Elle va venir très vite, elle m'a dit qu'elle viendrait. Euh, du moins, je voilà, de, elle devrait... Dans, dans, dans peu de temps dans tout pour, live pour parler de, de, de tout ça donc voilà en tout cas euh, merci beaucoup vous avez vous êtes très nombreux ce soir merci pour ceux qui nous ont aidé ce soir n'hésitez pas vous avez tous les liens en bas de la vidéo hein. concrètement n'hésitez pas à nous à nous, à, à nous faire des dons si vous si vous pouvez euh, parce que c'est extrêmement important vous le savez on est médias indépendants mais ça coûte cher d'être médias indépendants euh, parce que parce que parce que la censure parce qu'il y a toute une série d'emmerdes qui nous tombent un peu sur la tête tout le temps euh, mais on le fait véritablement pour vous informer donc si vous pouvez parmi vous, certains peuvent nous aider. N'hésitez pas, vous avez tous les liens pour nous aider pour qu'on puisse continuer à tenir. Voilà, donc sachez que vendredi. Sachez que vendredi, une petite info. En tout cas, vous aussi, je voulais remercier. Je voulais remercier seulement que je ne l'ai pas fait. Euh, je me permets, euh, je me re-permets pratiquement plus, euh, près de plus de 5000 ventes sur mon livre, ni que, euh, sur l'être autruche autruches tube digestif. Vous avez été près de 5000 à avoir acheté le livre, plus de 5000 à avoir acheté le livre. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux. Euh, qui sont venus voir, me voir en conférence, en dédicace, avec qui j'ai pu discuter ces dernières semaines un peu partout en France. Je vais continuer à me déplacer et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog Nicolas Vidal Substack. Substack, c'est un blog américain, mais euh, c'est très libre, il n'y a pas de censure dessus, c'est pour ça qu'on y est, c'est Nicolas Vidal Substack. Vous pouvez vous abonner, il y, y a toute une partie gratuite, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à un utilisateur, Donc merci à tous ceux qui ont acheté le bouquin et ceux qui l'ont pas encore reçu, ça va arriver. On a fait des envois cette semaine parce que vous avez été trop nombreux ces derniers jours à nous commander des livres et on n'a pas pu tout envoyer puisque vous savez. On peut les commander sur Amazon. Mais je sais que parmi certains d'entre vous ne sont pas fans. Et si vous ne voulez pas passer par Amazon, vous pouvez aller sur Média. Nous le vendons aussi. Enfin, il y a même le lien sous la vidéo YouTube. Vous pouvez l'acheter directement sur notre site pour ceux qui ne l'ont pas reçu, qui ne l'ont pas encore lu. En tout cas, merci beaucoup. Ce soir, vous avez été très nombreux. Hein 2400, 2500. J'essaierai demain soir de faire une émission, mais vous savez, euh, ça va être compliqué parce que jeudi soir, je suis en préparation de matinale pour Toxin vendredi matin et je vous l'annonce immédiatement. Euh, grosse programmation. Je vous prépare. Euh, je vous prépare un programme sur Toxin vendredi matin. Euh, on va commencer on va avoir Anne-Sophie Chazot on va avoir Haute Denisot euh, sur l'enseignement vous allez voir elle parle de naufrage elle parle de, de Titanic vous allez voir c'est absolument euh, intéressant et nous aurons aussi le grand entretien avec Idriss Aberkane qui me fait l'amitié de venir dans le Toxin vendredi matin grand entretien de trois quarts d'heure avec Idriss Aberkane soyez là sur Toxin sur Youtube abonnez-vous euh, dès, euh, dès 7h30 vendredi matin jusqu'à 9h30 on finira par le grand entretien d'Idriss Aberkane vous allez voir il y, y a beaucoup de choses à dire Idriss et on, je pense qu'on va passer une très très belle matinée vendredi matin, donc moi... On se retrouve vendredi matin sur Toxin et dès lundi prochain, vous le savez, sur Pouch Live, puisqu'on fait trois émissions par semaine. Euh, maintenant, on a pris ce rythme-là et c'est très bien. Débrief politique et deux invités, voire trois invités. Donc pour Pouch Live, c'est dès lundi prochain à 18h. On se retrouve. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, euh, activez aussi la notification, euh, de manière à ce que chaque fois qu'on passe en live, euh, vous puissiez avoir un notif et nous rejoindre, ou du moins nous regarder en replay. Et merci à ceux qui nous regardent en replay. Je vous êtes nombreux de nous regarder en replay. mais en en tout cas, que vous nous regardiez en live ou en replay, peu importe, c'est très bien. Aidez-nous, soutenez-nous. Et en tout cas, chers amis, vous le savez, je vous le dis tout le temps, consommez et gueulez français. Bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao bye.